Des chambres vides, des usagers relocalisés, la directrice générale de la maison Eureka à Saint-Guillaume espérait ne pas en arriver là. La ressource à but non lucratif a dû fermer temporairement, faute de personnel. Le centre accueille des hommes et des femmes aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme, dont certains proviennent du milieu judiciaire. Il y a beaucoup, beaucoup d'organisations qui viennent vers nous pour traiter des gens, pour leur permettre de redevenir fonctionnels sur le marché du travail. Et malheureusement, aujourd'hui, tout ce que je peux leur dire, c'est « je ne sais pas quand est-ce qu'on va être capable de vous prendre ». La maison Eureka a besoin de 10 intervenants. Au moment de la fermeture, elle n'en avait que 5. Le problème, c'est que ces centres d'intervention, qui doivent déjà composer avec la pénurie de main-d'œuvre, ne peuvent pas embaucher qui ils veulent en raison de contraintes ministérielles. Même si j'ai une personne qui est en avant de moi, que je considère qualifiée, je ne peux pas l'engager si elle ne répond pas aux règles du gouvernement. Par exemple, des AEC en psychoéducation, en intervention en santé mentale, on a le même penchant, mais dans les certificats. Ce qui est un peu aberrant dans l'histoire, c'est que les SUS les embauchent et les font travailler dans leur département en dépendance, en santé, alors que nous, on ne peut pas le faire. Donc. La maison Eureka a demandé l'hiver dernier au ministère, puis au SUS de la Mauricie-Centre du Québec, d'obtenir une dérogation. Ces demandes ont été refusées. Le SUS a décliné notre demande d'entrevue, comme il s'agit d'un règlement ministériel. Saint-Guillaume est la pointe de l'iceberg parce que beaucoup de mes centres de thérapie nous ont avisé avoir diminué le nombre de lits. Ça ne sera pas, malheureusement, la première et la dernière qui va fermer si le ministre et les CIS et les SUS n'agissent pas maintenant. Heureusement, tous les usagers de la maison Eureka ont pu être relocalisés vers sa ressource de Shawinigan. France Bouffard interpelle le ministre Lionel Carman. Si jamais on avait rapidement une réponse du ministère, là, ça changerait complètement la donne parce que sur le coin de mon bureau, j'ai déjà tous les CV dont j'ai besoin. Au cabinet du ministre, on écrit que ces balises existent pour assurer la sécurité des personnes hébergées et la qualité des services offerts, mais nous ne ferons jamais de compromis là-dessus. N'empêche qu'entre-temps, France Bouffard craint que la liste d'attente pour ses ressources ne cesse de s'allonger, alors que le Québec n'est pas épargné par la crise des surdoses. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Sherbrooke.